Bonjour, monsieur le seul, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je suis désolée pour ma tête, mais je suis en train de me dire, mais j'ai une tête affreuse. Mais c'est pas grave, il faut que je les lave, c'est pour ça. Du coup, on est là. Je viens ouvrir une nouvelle vidéo et qui est de mes achats du mois de mars. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Je suis raisonnable quand même. Un peu raisonnable. Du coup, on va commencer tout de suite. J'avais pris celui-ci. Campus and Campus chez Addictif de Marjorie Bureau. Voilà. Que j'avais acheté à 6,50. Voilà, il est très beau. On m'a parlé que c'était une relation avec un élève et son prof. Du coup, ça me tentait beaucoup. Voilà. Le seul truc qui m'ennuie un peu, c'est tout petit. Voilà. Mais il va pas faire long feu dans ma palle parce que je l'ai mis. Enfin, vous allez voir, je vous comprendrai. Voilà, je le range. Après, j'ai pris Attirance contraire de Eugénie Dillen chez Micha. Voilà, il me donne très aussi envie. Je pense qu'il va aller dans le mois prochain dans ma palle. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle et je veux pas trop en savoir. Voilà. Après, j'avais craqué pour celui-là. Il y avait vu des bons avis. C'est un non édité. C'est ça qu'on dit? Édité, ouais. Enfin, il n'y a pas de maison d'édition. Je vous montre le nom parce que voilà. Mais le torse, pas lui, il est trop beau. Si j'ai bien compris, ça parle de ranch. Voilà. Quand on voit les chapitres. Voilà. C'est bien assez gros quand même. Je profite. Une page où il y a plus de texte. Voilà. Ça parle de ranch et j'aime beaucoup tout ce qui est un peu campagne et tout ça. Du coup, je me dis que il va pas faire long feu non plus. Je pense que ces deux-là, ils iront peut-être le mois prochain dans ma palle. Après, il faut que je lis celui-là. Il n'est pas encore lu. Beaucoup de monde l'ont déjà eu. La Reine des Ombres. Voilà. Dans la nouvelle édition de chez Hugo. Voilà. Il est trop beau. J'aime beaucoup. J'ai vu des bons et des mauvais avis. Ici, on va suivre une. C'est Tricia, je pense, son nom. Qui va faire tout son possible pour devenir reine avec le roi et tuer le roi, un truc comme ça. Je dis pas de bêtises. Voilà. Mais n'hésitez pas à les retrouver. Ils sont sur tous les groupes. Voilà. Après, encore du Eugénie Dillen, Off Limit. J'adore cette couverture. Par contre, c'est pas la même maison d'édition. Celle-ci, c'est BMR. BMR, c'est une nouvelle. J'ai jamais entendu cette maison d'édition. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça me tentait bien. Le seul truc que j'ai peur, c'est d'abîmer le dos. Quand vous voyez, quand je vais l'ouvrir, j'ai peur d'abîmer le dos. Mais lui aussi, il va pas faire long feu. Voilà, elle va être courte cette vidéo. Je vois, j'ai que 3 minutes. Ça va pas. Après. Bien sûr, j'ai pas hésité. Enfin, j'hésitais à l'attendre en poche. Après, je dis non, je vais les prendre. J'ai trop envie. J'avais dit que je le lirais dès qu'il arrive. J'ai toujours pas lu. La tempête du sud de Brittany de Cherry. Chez Hugo dans la collection Nous Romans. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais Brittany, c'est une valeur sûre. Du coup, je n'ai pas hésité. Mais je pense que je vais le mettre aussi dans la palle du mois prochain, je pense. Voilà. Le seul petit truc que je sais, c'est le mot qui est là. Même un mouton noir peut avoir besoin d'un ami. Voilà. Je sais qu'il y a un truc, il est pas, il n'y a pas d'amis ou un truc comme ça. Voilà. Du coup, je vais essayer de ne pas le faire traîner. Après, il y a la sorcière aux champignons qui est trop beau. Je ne sais pas si vous allez voir, mais les champignons sont brillants. On le voit passer partout, partout, partout pour le moment. Mais il est trop chouette. Je ne vous en dis pas plus parce que je l'ai déjà lu. Voilà, on va juste suivre cette jeune fille. Je vous en dirai en point lecture du mois prochain. Voilà. Ce qui est dans ma palle de ce mois-ci. Voilà, je le remets dans ma palle. Voilà. Et le dernier livre que j'ai lu. N'importe quoi. Le dernier livre qu'il me le fallait absolument. Bien sûr, c'est dans les collections Disney, parce que ceux-là, je me les prends à chaque fois. C'est de Plume et de Flamme. C'est une réécriture de Mulan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais lu un
Rose Rebelle, je crois que c'est ça le titre. Si au montage j'ai le courage, je vous montrerai la fiche de l'autre là. Rose Rebelle, parce qu'il est en haut dans mon grenier. Voilà. Hop. Du coup, c'est la suite. Et ici, c'est sur Mulan. C'est l'histoire après l'histoire qu'on connaît. Voilà. Ici, c'est Mulan. En fait, c'est l'empereuve. C'est l'empereuve qui est décédée et qui va donner sa place à Mulan. Et Mulan va prendre la place de l'empereur. Et du coup, voilà, on verra ce que ça va donner. Elle a combattu avec un bonheur sur le champ de bataille. À présent, elle doit affronter un autre type, la guerre. Après la guerre qui a fait d'elle une héroïne, oh, héroïne, Mulan passe ses journées à trotter au milieu de soldats pour protéger son village. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que le résumé est très long, mais lui aussi me donne très envie de lire. Je voulais déjà le lire aussi, mais comme vous avez vu, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas eu de vidéo sur la chaîne, à part peut-être mercredi. Je sais bien que ce mercredi-ci, oui, il y en avait. J'ai été malade, j'ai eu la grippe. La grippe, hein, pas le virus, juste la grippe. Et bien la grippe, je peux vous dire. J'ai été vraiment KO. Ah oui, il y a un autre livre que je dois vous parler. Alerte. Alerte spoiler. Je reprends mon carnet pour être sûr. Ouais. Attention spoiler. Ouais, c'est ça. Attention spoiler. Je ne sais pas où il est mon bouquin. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je n'ai pas beaucoup d'endroits où je mets des livres. Ben, il a disparu de ma vue, on va dire. Parce qu'il y a là. Il y a la bibliothèque là. Et alors, il y a mon. Comment on dit, le chariot qui est juste là devant moi. Je ne sais pas où il est. Je ne le retrouve pas. Et à mon avis, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Voilà. Je ne sais pas du tout où il est. Mais allez, spoiler, je vous mettrai la photo là si je n'oublie pas. Parce que je vais essayer de faire le montage aujourd'hui pour vous le mettre. Aujourd'hui? Non, je vais d'abord mettre. Vous faire, je vais tourner le point lecture juste maintenant et je vais vous mettre le point lecture après. Voilà, sur ce, je n'ai plus rien à dire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres, lequel que vous voulez qu'on lise ensemble, peut-être. Il y a mon Discord en barre d'infos. N'hésitez pas à demander si le lien n'est plus bon. Parce que l'autre fois, on m'a dit que le lien était plus bon. Pourtant, je l'ai mis à qu'il soit bon à l'infinity. Enfin, bon tout le temps. Voilà, mais n'hésitez pas à me rejoindre et on pourrait faire des lectures communes. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo que je vais tourner tout de suite.